Et bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'actu ludique de votre boutique Jeux Barjo à Bordeaux. Pierre toujours derrière la caméra, Ben toujours en mode vacances et moi-même Romain qui vais vous présenter le cru d'aujourd'hui. On est de retour sur notre spot habituel parce que l'offre Asmodée, un jeu acheté, le second offert est terminé, hein, c'était lundi la fin. Vous avez quand même quelques offres qui durent jusqu'à fin juillet et début août, notamment les boîtes métal ou biseau maintenant gigamique. Vous en achetez 2, moins 25 sur l'un, vous en achetez 3, moins 25 et moins 50. Pareil pour les minigames de Yellow, du coup tout ce qui est Time Bomb, Chopin Totem, Two Worms, Boom, Tassimussi, etc. Vous en achetez 2, moins 25, 3ème, moins 50. Vous avez aussi la petite offre ici. Bon, elle est pas énorme chez nous, mais sur ces 7 références, vous en achetez 3, la 3ème est offerte. Voilà, tout simplement, ça c'est les offres qui sont encore en cours. Du coup, on va entamer les nouveautés, pas mal de petites choses dans pas mal de registres, du coup c'est assez chouette. On va commencer par les trucs rapides. Azul, tout le monde connaît Azul, hein, on va pas représenter, grand classique du jeu entre guillemets abstrait de pose de tuiles. Du coup, sa version mini du 3ème, le pavillon d'été, est dispo maintenant, parce qu'il n'y avait que le premier pour le moment. Du coup, ils mettent le 3ème, parce que le second avait moins marqué les gens. Du coup, si vous partez en vacances et que vous kiffez Azul, le 3ème est aussi dispo comme le premier. Hop, nouvelle extension pour Happy Little Dinosaur, permet aussi de jouer à 5-6 joueurs, va rajouter pas mal de cartes comme d'hab, un peu à la con-con qui vont un peu saler le jeu déjà qui est assez chouette. Du coup, si vous avez le jeu et que vous voulez jouer à plus et que vous n'avez pas encore pris des extensions, celle-là est sortie. Si le thème vous enchante plus que les autres, c'est dispo. Oh, tiens, un petit livre de paix. Ensuite, on va enchaîner sur Fil Rouge. Ah, Fil Rouge, justement, on attendait avec impatience qu'on l'a testé à Cannes, c'est la version de démo. Et on a été assez sublimé en vrai, c'est vraiment tout con, mais ça marche super bien. Qu'est-ce que c'est? C'est de 2 à 4 joueurs, c'est coopératif, un peu en mode jeu narratif, aventure entre guillemets. Là, le petit truc du jeu, c'est que vous allez avoir des cartes, que vous voyez ici, qui, posées dans le bon ordre de A à Z, font une histoire entière. Le but pour le coup, ça va être de retrouver la chronologie, parce que c'est un jeu qui va se passer en 4 chapitres, chaque chapitre il y aura son lot de cartes, chaque chapitre à peu près une demi-heure, 40 minutes de jeu. Les cartes du chapitre, vous les mélangez toutes sans les regarder, vous les distribuez à tous les joueurs, un peu à la perspective, tout le monde voit les cartes qu'il a dans sa main, mais il n'y a pas le droit de les montrer, il va falloir en discuter, parce que le but du jeu, vous allez avoir une carte au centre de la table, qui sera la première carte posée dans cette frise chronologique. On ne sait pas vraiment si cette carte elle est vraiment au milieu de l'histoire, ou si elle est un peu au début, ou un peu à la fin. Parce que notre but du jeu, ça va être de poser exactement dans l'ordre, à partir de cette carte, pour faire les ordres chronologiques en allant vers le début et en allant vers la fin. Vous avez le droit à quelques erreurs, après, sinon, si vous avez tout simplement perdu. Le truc du jeu, c'est que vous allez communiquer sur vos cartes, parce qu'il va falloir les décrire. Et c'est là qu'on a beaucoup aimé le jeu, c'est de la description, mais sur du ressenti. Pas à la perspective en mode un peu froid déduction, là ça vous avez vraiment parlé, cette carte m'inspire que ça donne un peu triste, donc c'est peut-être après cet événement là, parce qu'à première vue c'était dans ta main un événement assez malheureux, ou là il part à l'aventure, il a le sourire, donc c'est peut-être parce qu'il a retrouvé sa mamie par exemple, etc. Là j'invente complètement n'importe quoi, c'est pas ça l'histoire, mais vous comprenez le truc, ça va être vraiment que de l'échange comme ça, un peu de la déduction bien entendu, mais vraiment sur du ressenti, quoi, sur les illustrations qu'ils vont nous donner. Et du coup, nous on avait adoré notre partie, on avait joué avec 2 inconnus et ça s'était super bien passé, on avait kiffé notre petit moment. C'est une vraie chouette petite expérience, une petite boîte en plus, donc n'hésitez pas si vous aimez ce genre de jeu, ça aussi c'est dispo. Troisième chose rapide, on l'attendait parce qu'on n'arrête pas de le tease depuis un petit moment maintenant. Macro Crime City. Du coup, à l'heure d'aujourd'hui, il y a 4 boîtes qui sont sorties. Chaque boîte, vous avez une grande map en noir et blanc, vous allez faire 15 ou 16 enquêtes par boîte. Le petit truc du jeu, si vous n'avez pas vu, si vous avez 4 boîtes chez vous, vous pouvez le faire. Les 4 maps, vous pouvez les coller bam bam côte à côte et ça fait une ville entière. Du coup, on se disait, est-ce qu'ils vont faire des enquêtes sur les 4 maps? Toute la map, c'est le cas. C'est Micro Macro Crime City Epic Case. Donc pour jouer à ça, il faudra les 4 autres boîtes forcément. Donc il faut vraiment être un fan, mais le jeu le mérite. Intéressez-vous, c'est vraiment très cool. Et du coup, ici, vous allez avoir 3 enquêtes. Un peu plus longues forcément que d'habitude, un peu plus costaud. Mais comme ça, vous allez vraiment jouer sur toute la map. Et ça, c'est chouette. Du coup, c'est sorti aussi, c'est dispo. Hop! Maintenant, le jeu le plus débile de la semaine, ou le plus débile depuis un petit moment, depuis peut-être 2 pommes 3 pains en soi, Presse Patate. Alors ça, c'est un jeu ambiance, party game pur de 3 à 8 joueurs. Faut être le premier joueur à avoir une feuille devant soi, numérotée de 1 à 50. Déjà,
Ok. Donc au début de la partie, chaque joueur va recevoir une carte où il y a une feuille où il y a 50 patates dessinées. Votre but, ça va être au crayon d'écrire 1, 2, 3, 4, etc., etc. Le premier joueur qui arrive à écrire 50 sur la feuille qu'il a devant lui gagne la partie. Comment ça se passe? C'est assez simple. On va nommer un premier joueur, il va prendre le seul stylo. Chaque joueur aura une feuille devant lui. On va faire 1, 2, 3, top départ. Du coup, le joueur qui a le stylo va commencer à écrire 1, 2, 3 le plus entre guillemets, rapidement possible. Les autres joueurs, chacun à leur tour, vont lancer un petit dé. Et en fonction de la face, il va pouvoir se passer pas mal de choses. Vous avez une face qui va faire que tout le monde doit taper à côté du mec qui est en train d'écrire les chiffres. Du coup, il aura un peu de mal. Ou tout le monde va devoir se faire un check. Ou on va faire tourner les feuilles. Du coup, si se trouve le mec qui était à 49, on fait tourner la feuille, il arrive sur une feuille à 29. Tant pis, tu gagneras pas tout ce tour-ci. Ou vous avez la fameuse phase de je prends le stylo. Le joueur qui fait ça, il prend le crayon et ça lui griffonne. C'est aux autres joueurs de lancer le dé. Voilà. C'est aussi con que ça, aussi simple, mais ça marche d'enfer. Je suis pas un grand client de ce genre de jeu, mais on a fait une petite partie test et en vrai, c'est un super moment. C'est rapide, c'est funky, il se passe plein de choses. C'est vraiment très cool. Ça, presque pas on vous le recommande à fond aussi. Du coup, on va passer aux deux jeux qui sont exposés quand même. On va passer à Spring Festival. Alors c'est du 2 à 4 joueurs, pas une partie très longue, c'est 20-30 minutes, ça marche très bien à 2 et à 3-4, c'est pas un souci. Jeu plutôt familial, mais avec des petites mécaniques de pose de tuiles assez originales. Du coup vous allez avoir des tuiles que vous voyez ici, qui représentent des fusées. C'est des fusées pour tirer des feux d'artifice, donc forcément de l'autre côté, vous avez le feu en question. Chaque joueur va prendre au début de la partie 4 tuiles, donc il y a 4 sets de départ, vous les agencez comme vous voulez en fonction des objectifs que vous allez avoir. Chaque tour de jeu, c'est assez simple, le joueur actif va faire tourner ce petit plateau. Et moi, je vais vouloir prendre cette tuile-là, et du coup, j'impose une tuile à tous les autres joueurs, parce que la tuile va arriver devant lui, ils sont obligés de la prendre pour la poser. Donc là, ça va être vraiment de l'instantané, c'est très fluide, très rapide. Tout le monde prend sa tuile et tout le monde la pose. Pour la poser, il va falloir faire attention quand même, parce qu'on va pas essayer de faire n'importe quoi. Du coup, je vais la poser ici, parce que j'ai fait une install un peu ouf. Alors, comme je l'ai posée ici, je vais de toute façon retourner cette tuile côté feu. Et la petite flèche rouge me dit que celle-ci, je vais aussi la retourner côté feu. Oh ! Trois autres petits rouges sur la tuile que je viens de retourner. Je vais retourner ça aussi. Je vais retourner ça aussi. Et en haut, je vais retourner ça aussi. Hop, j'ai tout retourné. Trop cool. Mais le principe, parce que faut gagner des points. Donc déjà, on a nos petites cartes objectives. Donc là, ça tombe bien. J'ai fait un feu bleu avec un autre feu de n'importe quelle couleur. Cette carte est validée. Hop, ça me fait un objectif pour dépendre la fin de la partie. Du coup, les feux que j'ai utilisés, par contre, ils reviennent côté fusée. Hop, vous voyez venir le truc? Prochain tour, je prends une tuile, je la pose, ça retourne des trucs. J'essaye de faire ma carte, donc des objectifs soit avec les couleurs, soit avec le nombre de petites étincelles. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous posez une tuile, est-ce que je peux y arriver là? Hop, si vous posez une tuile comme ça, avec le petit truc bleu, le petit éclat, vous gagnez des jetons d'applaudissement. C'est le point de victoire, donc c'est assez cool aussi. Voilà, c'est aussi simple que ça. La partie va durer 12 tours. Il y a 12 tuiles, donc c'est assez simple. Tout le monde à chaque tour prend une tuile, hop, on passe à la prochaine manche, etc., etc. À la fin de la partie, le petit truc assez rigolo que j'ai trouvé aussi sympa, vous allez tout retourner côté fusée, toutes vos tuiles, donc vous allez en avoir techniquement 16 normalement, et vous allez choisir une tuile, on va dire celle-là, vous la retournez et vous déclenchez les effets en chaîne comme je viens de le faire avec les petites flèches rouges. Si vous arrivez à tout retourner, bouquet final, bonus de 3 points. Aussi simple que ça, celui qui a le plus de points de victoire de jetons d'applaudissement va gagner à la fin de la partie. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais c'est vraiment très cool, c'est pas des parties très longues, c'est quand même un peu de réflexion, parce qu'il va falloir bien poser les petites tuiles avec les petits trucs rouges un peu partout, les petits trucs bleus, faire attention à nos petits objectifs. C'est vraiment très cool, nous on a beaucoup aimé, c'est super original, cette réaction en chaîne très satisfaisante. Ensuite on va passer aux Architectes d'Amétis, petit jeu de joueurs que voici. Du coup, proposé par la boîte de jeux qui nous ont habitués à des prix défiant toute concurrence. Personnellement, je trouve que le jeu c'est juste 20 balles et vous avez tout ce matos. Alors x2, parce que j'ai mis qu'un plateau par joueur, vous avez des tuiles de assez bonne facture, c'est assez chouette. Le jeu en lui-même est très cool aussi. Alors attention, il est super mignon comme ça, la DA enchantée, sympa, mais c'est pas non plus familial. Il va falloir un peu brainstormer dans sa tête pour vraiment apprécier le jeu, parce que c'est un jeu horrible. Super simple, c'est super minimaliste, mais la réflexion va être là, parce qu'à votre tour de jeu, c'est assez simple, vous allez poser votre petit bonhomme et vous allez prendre une tuile. Cette tuile, vous la posez où vous voulez, il n'y a pas de contrainte de placement, vous pouvez même recouvrir, il n'y a aucun problème. Le petit truc du jeu, c'est que quand vous prenez votre tuile, vous allez devoir réfléchir à plusieurs critères, pas qu'un, pas que deux, mais trois. Déjà, il y a un petit jeu de morpion aussi. Si un joueur arrive
à mettre trois petits bonhommes comme ça, donc soit en colonne, en ligne ou en diagonale, il va pouvoir prendre un de ses petits jetons pour mettre ici. Ça, ça va être pour scorer en fin de partie. Vous avez pas mal de manières différentes. Soit essayer de faire que des colonnes de un bâtiment, de deux bâtiments, de trois bâtiments, ou mettre des colonnes de trois bâtiments sur vos cases qui sont sur les côtés de votre plateau, etc., etc. Du coup, bah, il va falloir, quand vous posez votre bonhomme, réfléchir à essayer de faire une ligne et à empêcher l'autre de faire une ligne, parce que lui, il va jouer ses petits bonhommes pour faire la même chose. Ensuite, il va falloir faire attention à la couleur du bâtiment, parce que vous allez avoir des objectifs qui vont vous dire, bah sur cette diagonale, par exemple, je vais essayer de poser un vert, un bleu, un jaune. Si c'est fait, ma carte est validée, ça me fera des points pour la fin de la partie. Et troisième chose qu'il va falloir faire attention, chaque bâtiment, sachant qu'il y en a 6 différents, quand vous le posez, vous fait gagner des points immédiatement. Et ça va dépendre de pas mal de facteurs. Soit les bâtiments qui sont de même couleur, soit des bâtiments qui sont de couleurs différentes, soit des piles de bâtiments qui sont à la même hauteur, soit vous allez gagner un point pour les pour chaque tuile comme ça que vous avez, les palais, et vous allez pouvoir prendre une nouvelle carte objectif. Vous avez les murailles qui vous donnent 2 points par muraille que vous avez déjà sur les bords de votre plateau. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein, les règles s'arrêtent là, mais c'est vraiment prise de tête. On a joué, on a fait notre petite partie, et honnêtement, vous êtes vraiment comme ça en train de... Alors attends, si je prends cette tuile, ça me fait tant de points, ça me fait cet objectif, mais ça lui permet la ligne. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? C'est vraiment trop cool. C'est immédiat en termes de règles, mais la réflexion derrière, elle est vraiment là. Attendez-vous à vraiment brainstormer comme il faut. Ça, on a beaucoup aimé aussi les architectes d'Amétis, on vous recommande. Ben voilà, on est tout bon, on vous fait des bisous, un bon week-end ludique à vous, et à bientôt.